Awesome. Welcome, everyone. We're having a really fun French lecture today. So I'm going to not understand most of this, but I think it's really important that we have good information about KI malformation related disorders in natural languages that people are used to, because things get lost in translation. So today with us, we have Dr. Cyril Capel. I can't speak French, I'm sorry. So I'm just gonna have you first introduce yourself a little bit, how you got involved with KI malformation, why it's interesting to you, and then I'm going to let you just go ahead and do your presentation. And I'm gonna disappear. Okay. Merci beaucoup, Marie. Oh, pardon. Excusez-moi, là, j'ai un truc qui est apparu. Hop. Bon, voilà. Donc, je suis Cyril Capel. Je suis neurochirurgien dans le service du professeur Pelletier au CHU d'Amiens. Je remercie beaucoup Marie et puis la fondation Bobby Jones pour le Chiari, les malformations de Chiari et la syringomyélie de m'avoir invité à vous présenter cela, surtout que en français, c'est beaucoup plus facile. À Amiens, il y a la particularité d'avoir donc un service de neurochirurgie. Puisque je suis neurochirurgien à Amiens, il doit y avoir un service de neurochirurgie, c'est celui de Monsieur Pelletier, mais également d'avoir Olivier Balédan, qui est un scientifique qui s'intéresse beaucoup à l'imagerie, au traitement du signal, et également aux écoulements intracrâniens. C'est quand même curieux de se dire qu'il y a des choses qui coulent à l'intérieur de la tête. Et pourtant, le LCS, c'est un liquide qui s'écoule à chaque cycle cardiaque, on va le voir. Et le sang, c'est un liquide qui s'écoule à chaque cycle cardiaque, on va le voir encore une fois. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à cette hémohydrodynamique, un mot un peu synthétique pour justement parler de ces écoulements. Donc, hémohydrodynamique crânio-spinale dans les malformations, entre guillemets, de Chiari. Alors, pourquoi malformation? Je vais couper la tête tout de suite à ce truc, parce qu'on va voir malformation, entre guillemets, pendant toute la présentation, parce que il y a beaucoup de malformations de Chiari qui sont justement pas des malformations. Et en plus, ça suggère quelque chose de congénital. Et il y a beaucoup d'enfants qui ne naissent pas avec un Chiari. Donc, je vais parler indifféremment de Chiari, de malformations de Chiari ou d'anomalies de Chiari. Alors d'abord, on va, avant de rentrer dans l'apostrophe anormale, on va parler de la dite normale, la physiologie du LCS. Dans cet espace confiné qu'est le crâne, confiné parce que, et c'est d'actualité, et parce que le crâne ne peut pas s'expandre, excepté dans la population pédiatrique, et pourtant, donc son volume est constant. Et pourtant, il y a des choses qui varient en termes de volume, c'est-à-dire le volume vasculaire intracrânien n'est pas toujours le même, le volume de LCS n'est pas toujours le même, et le volume de parenchyme peut-être n'est pas toujours le même, mais ça, ce serait plus étonnant et ça reste à démontrer. Quoi qu'il en soit, l'ensemble de ces compartiments, parenchyme cérébral, sang, LCS, doivent se compenser les uns par rapport aux autres. Ici, par exemple, on a tant de sang veineux, tant de sang artériel, tant de parenchyme, tant de LCS. Et si on rajoute quelque chose, une masse, alors ça peut être une tumeur, par exemple, ce volume en plus doit être compensé à la fois par du LCS, mais également, on le sait, par du veineux, qui sera présent en proportion moins importante au niveau cérébral. Et si ce phénomène de masse est trop important, on ne va pas avoir de pression intracrânienne normale, il va y avoir une hypertension intracrânienne, et le volume de LCS va être réduit à peau de chagrin, de même le volume veineux, mais à moindre degré. À chaque cycle cardiaque, on met à mal cette doctrine de Monroe-Kelly qui a été décrite par Cushing en 1926, puisqu'à chaque cycle cardiaque, il y a du sang artériel qui va rentrer, du sang veineux qui va sortir, et tout ça va être désynchronisé, ce qui fait qu'on va avoir une variation du volume vasculaire intracrânien. Mais je vous ai dit que chaque compartiment doit compenser l'autre pour préserver ce volume intracrânien. La nature est bien faite, on ne va pas avoir une explosion à chaque entrée artérielle. Il va y avoir une chasse de liquide vers des espaces qui, eux, vont pouvoir se distendre, vont être ce qu'on appelle compliants.
et vont pouvoir justement augmenter de volume. Une chasse du LCS vers ces espaces sous-arachnoïdiens périmédulaires. Et ça, à chaque cycle cardiaque, il va y avoir ce phénomène d'afflux sanguin et de compensation du LCS, et on restaure le reste pendant le reste du cycle cardiaque. Pourtant, c'est pas long, un cycle cardiaque. Et il y a ce monsieur qui, en 2016, un réanimateur, qui, en 2016, a souligné aussi l'importance du drainage veineux. Il avait comme arrière-pensée, c'était cette hypertension intracrânienne dite idiopathique, parce qu'effectivement, on sait que la pression intracrânienne, elle dépend du drainage veineux, des résistances à l'écoulement sanguin intracérébral, mais aussi de LCS, et aux pressions extracérébrales. Par conséquent, un drainage veineux altéré, ça peut avoir les mêmes conséquences qu'une lésion expansive intracrânienne. Et d'ailleurs, hypertension intracrânienne idiopathique, ça se dit aussi pseudo-tumor cérébri, pas du tout ce terme, mais il existe. Et donc, c'est bien un phénomène de masse qui n'existe pas, mais cette altération engendre une hypertension, comme un phénomène de masse. Et puis enfin, de notre point de vue de neurochirurgien, la pression intracrânienne, et on a vu qu'il y avait un lien entre ces compartiments et cette pression intracrânienne, donc la pression intracrânienne, elle est essentielle à toutes les fonctions cérébrales. Pas de pression, pas de vivant. Et la pression intracrânienne, elle permet donc la perfusion cérébrale, c'est elle qui va déterminer en partie la pression de perfusion cérébrale, qui elle-même a son importance, puisqu'une pression de perfusion cérébrale égale ou inférieure à zéro, c'est le diagnostic de la mort encéphalique. Et donc, notre rôle, c'est de préserver cette pression intracrânienne. Qu'en est-il du chiari maintenant? Alors, cette malformation, entre guillemets, de chiari, c'est une ptose, une chute des tonsilles cérébelleuses au travers du plan de ce qu'on appelle le foramen magnum ou trou occipital, qui va rejoindre la partie la plus basse de l'os occipital jusqu'à la pointe du clivus. Et cette ptose, ça doit être plus de 3 ou 5 mm en fonction des hauteurs. Et cette anomalie de chiari peut être liée à des symptômes, parfois et même souvent elle est asymptomatique, mais parfois elle est liée à des symptômes qui sont souvent liés à des altérations locales au niveau du trou occipital, ou alors de ses conséquences, c'est-à-dire d'une syringomyélie ou d'une syringobulbie. Il y aura des céphalées, alors des céphalées plutôt occipitales, impulsives aux efforts, ou alors des céphalées associées à des cervicalgies par compression d'un nerf qui s'appelle le 11, qui va permettre d'innerver ces muscles qu'on a là, les trapèzes. On peut avoir des symptômes visuels qui sont souvent liés à une altération du mouvement des yeux et de la coordination de ce mouvement des yeux, des symptômes dits autoneurologiques. Donc, sur l'audition, ça peut donner ce qu'on appelle des acouphènes, c'est des bourdonnements, des sons qui n'existent pas, ou alors des vertiges par atteinte de ce nerf qui commande également l'équilibre. Et également des troubles de l'équilibre, donc je viens de le dire. Et des symptômes liés au tronc cérébral ou au nerf crânien au sens large. Donc, on peut voir plein de choses. On peut voir une douleur faciale, une paralysie faciale dans des cas très évolués. C'est très, très rare, ça. Ou alors également des signes d'atteinte de la sensibilité au sens large, mais également des symptômes médulaires, surtout s'il y a une syringomyélie, mais même s'il n'y en a pas. Et puis il y a aussi beaucoup de symptômes qui ne sont pas spécifiques, asthénie, troubles de la mémoire, cervicalgie, etc., et des nausées et des vomissements. Souvent, ces signes qui ne sont pas spécifiques, c'est ces signes-là qui vont persister malgré nos efforts chirurgicaux, puisque le traitement, il est chirurgical, on y reviendra. Donc, on a vu ce qu'était une malformation de chiari. On va assimiler ça à un bouchon de champagne entre la bouteille, qui est l'espace intracrânien, et les espaces périmédulaires. Et il n'y a pas la même pression, du coup, avec ce bouchon, entre les espaces intracrâniens et les espaces intramédulaires. Si on fait l'analogie grossière de la bouteille de champagne, mais pas si grossière que ça, on va le décrire. Alors, une malformation de chiari entraîne une restriction des espaces sous-arachnoïdiens, c'est les espaces liquidiens au niveau du trou occipital. Mais on a vu
que dans la physiologie, on avait besoin d'une certaine chasse de liquide cérébrospinal depuis les espaces intracrâniens jusqu'au niveau médulaire, périmédulaire. Et donc, pour préserver cette chasse et donc le débit, il va y avoir une accélération des vitesses au niveau du trou occipital, au niveau de ce foramen magnum, parce qu'il y a une augmentation de la résistance à l'écoulement. Et s'il y a une grande altération, ça c'est dans les cas plutôt, on va dire, compensés, s'il y a une grande altération, il va même y avoir une pulsatilité du névrax, donc des tonsilles, ou autrement appelées amygdales, mais également de ce cordon qui est la jonction entre le tronc cérébral et la moelle épinière. Donc cette pulsatilité du névrax, certains décrivent ça comme une augmentation du gradient de pression, et ça a été vérifié par des mesures non invasives, plus ou moins invasives, où il a été mesuré l'amplitude de la pique, mais également de l'amplitude veineuse. Ça n'est pas utilisé dans la routine, puisque cette mesure, même si elle est non invasive, elle n'est pas discriminatoire des cas pathologiques des patients témoins, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de malformation de Kyrle. Alors, comment on fait le diagnostic? Bien entendu à l'imagerie, puisque c'est la définition de l'anomalie de Kyrle, mais également le diagnostic, un des marqueurs principaux de cette pathologie, c'est la pulsatilité du névrax, qui a pu être mesurée. Dans cette publication, ils ont mesuré que la pulsatilité du névrax et ils n'ont pas fait le lien avec le reste. Pour le suivi post-opératoire, il a été proposé, c'est de regarder la vélocité moyenne du LCS au sein de l'aqueduc. Pour l'instant, c'est encore en question. Il y a beaucoup de publications qui démontrent que ce n'est pas le cas et que ce n'est pas forcément utile. Maintenant, il y en a d'autres qui regardent les vélocités de LCS au niveau cervical au niveau cervical haut, quasiment à la charnière, ils avaient fait C0-C1, et que cette diminution des vélocités du LCS n'était pas corrélée à l'évolution clinique. Donc, pourquoi l'utiliser en suivi? Sauf pour les céphalées, où a priori, cette diminution, si elle est plus de 20%, serait prédictive d'une amélioration. Mais finalement, tout ça ne sert à pas grand-chose en post-opératoire. Mais qu'est-ce qui peut servir en post-opératoire? Ça, c'est une des questions qu'on se pose, et on va essayer d'y répondre. Pour le traitement, alors, le rationnel est relativement simple. On a un contenu qui est le cervelet, le tronc cérébral, qui est trop petit par rapport à son contenant, qu'on appelle la fosse postérieure. Élargissons le contenant. Pour ça, il y a deux types possibles de chirurgie. Le premier, c'est de faire ce qu'on appelle une craniectomie occipitale et une laminectomie de C1, c'est-à-dire on fait une décompression uniquement des os au niveau régionaux, au niveau du foramen magnum. D'autres techniques proposent une plastie d'élargissement de la durmère, qui est finalement l'enveloppe la plus externe du système nerveux central. Et si on l'élargit, on élargit également le contenant. Dans la première technique sans plastie, on va tout de même amincir cette durmère sans l'ouvrir. Il y a aussi d'autres techniques qu'on ne va pas exposer, mais qui nécessitent, parce qu'on ne l'utilise pas, qui nécessitent la résection des amygdales et une autre qui est de couper le phylum terminal. Aucune chirurgie n'a montré son efficacité supplémentaire, sa plus-value, ni non plus sa dangerosité par rapport à une autre. Donc nous, on utilise indifféremment les décompressions osseuses seules, avec ou sans plastie d'élargissement de la durmère. Alors notre hypothèse de travail depuis plusieurs années, c'est que finalement, on a une anatomie qui est cette anomalie de Kyrle, cette ptose, cette chute des tonsilles cérébelleuses. L'hypothèse de travail sur cette malformation, toujours entre guillemets, c'est que cette anomalie anatomique est liée à une altération de l'hémohydrodynamique crânio-spinale, c'est-à-dire des écoulements de sang et de LCS. Et donc, on a cherché avec Olivier Balédan à quantifier cela depuis plusieurs années maintenant et de rechercher s'il y a un intérêt finalement à faire cette IRM par contraste de phase. Je vais vous dire ce que c'est exactement, mais c'est l'intérêt de cette IRM par contraste de phase et de cette surveillance des écoulements dans le diagnostic et le suivi des patients. Alors, comment mesurer de manière non invasive? C'est l'IRM par contraste de phase. C'est un peu notre débitmètre non invasif, notre débitmètre des écoulements de LCS et de sang. Par exemple, ici, on a du LCS, que ce soit en intraventriculaire au niveau de l'aqueduc du mésencéphale ou cette couronne autour de la moelle au niveau
cervicale, C2-C3. On observe une alternance noir-blanc sur les deux espaces. Cette alternance noir-blanc nous dit que en noir, selon les constructeurs, en noir ça monte, en blanc ça descend, et on mesure la vitesse et le débit. On arrive à mesurer cela de manière parfaitement non-invasive avec cette IRM. Et on décrit qu'au cours d'un cycle cardiaque, un seul cycle cardiaque, il y a du LCS qui rentre et qui sort de la boîte crânienne ou des ventricules. On arrive à mesurer cela et à mesurer un volume, c'est le volume déplacé au cours d'un cycle cardiaque qu'on appelle stroke volume ou volume oscillatoire. Bref, c'est la pulsativité. On fait pareil au niveau maintenant vasculaire, en regardant ce qui se passe au niveau des carotides, des artères vertébrales et également au niveau des jugulaires. Et ça nous permet de mesurer un débit sanguin cérébral, qu'il soit artériel ou veineux. Là, ça se complique un petit peu parce qu'on fait le postulat que, et on ne peut pas s'en affranchir, on fait le postulat que tout ce qui rentre sort, c'est-à-dire que tout le sang qui va être amené en intracrânien doit sortir. Et pourtant, lorsqu'on mesure cette courbe de débit veineux, eh ben, si on fait la moyenne, ce n'est pas tout à fait juste. Et donc, on va calculer un facteur de correction qui va nous permettre d'ajuster la courbe de débit veineux pour qu'elle soit, pour qu'elle compense parfaitement les entrées artérielles. Quand ce facteur de correction, c'est ce qu'il faut retenir, quand ce facteur de correction c'est 1, ça veut dire que tout le drainage se fait par les jugulaires. Quand ce n'est pas 1 et que c'est supérieur à 1, il y a un drainage veineux jugulaire, mais aussi par des voies accessoires qui peuvent être des grandes veines du cou, ou alors des veines faciales. Et donc, on a cette courbe corrigée qui est juste par rapport à cette courbe artérielle. Si on prend les deux en compte et qu'on les fusionne en les sommant, on va avoir une courbe de débit artério-veineux qui nous permet de savoir quand le sang rentre, c'est la systole, quand il va y avoir une augmentation du volume vasculaire intracrânien, ou alors, quand le sang sort, c'est la diastole, quand il va y avoir une diminution de ce volume vasculaire intracrânien. Et si on met cela, sur cela, la courbe de LCS, on s'aperçoit que le sang qui rentre va être parfaitement compensé par du LCS qui va sortir au niveau cervical et compenser cette augmentation de volume vasculaire intracrânien. C'est la physiologie. On va mesurer donc tous ces débits, cette pulsatilité, sur toutes les pathologies quasiment au niveau de l'acte du mésencéphale pour le LCS, au niveau des espaces sous-arachnoïdiens cervicaux pour le LCS toujours, et au niveau cervical ou intracrânien pour le côté vasculaire. Pour les anomalies qui arrivent, va être important aussi, c'est de mesurer un peu ce qui se passe en amont, c'est-à-dire au niveau des espaces sous-arachnoïdiens intracrâniens, et quoi de mieux que les citernes prépontiques qui sont relativement larges, mais aussi plus bas, si ça existe, la cavité syringomyélique, et on va pouvoir observer s'il existe une pulsatilité ou non en son sein. Mais bien sûr, on va mesurer la pulsatilité qu'on retrouve au niveau du LCS, s'il est présent, ou au niveau du névrax, au niveau du foramen magnum. Et là, c'est une chose impressionnante que moi, neurochirurgien, avant de le voir sur l'imagerie, bien sûr, on l'avait vu cliniquement, mais de le voir à ce point sur une imagerie, c'était assez magique, c'est de voir cette pulsatilité du névrax, du tronc cérébral, et des tonsilles cérébelleuses, alors que finalement le reste du cerveau, là c'est le cervelet, ne bouge quasiment pas. C'était assez impressionnant. Et corrélé à ce qu'on voit en péropératoire. Alors, on s'est amusé on a essayé de vérifier tout cela à Amiens sur les 21 derniers patients traités d'une anomalie de Chiari. Il y en avait 12 qui présentaient une syringomyélie, et quel que soit le type de chirurgie, on n'a pas fait la distinction. Et on a évalué ces patients avec notre débitmètre à la phase diagnostique en préopératoire et à un an postopératoire pour avoir suffisamment de recul. D'un point de vue clinique, c'est important de voir que l'ensemble des symptômes sont présents et que c'est assez concordant avec ce qu'on retrouve dans la littérature. Mais également, ce qui est intéressant, c'est de voir que tous ces pourcentages qu'on a visualisés sont diminués.
C'est-à-dire que l'ensemble des patients qui ont été traités ont été améliorés. Et c'est pas, c'est, ça se voit avec les chiffres, mais c'est aussi eux qui le disent. Tous les patients ont été améliorés après chirurgie. Je dis améliorés, pas guéris. C'est-à-dire que, par exemple, les patients qui avaient des maux de crâne, des céphalées, eh bien, on voit que par rapport à la période préopératoire, il y a une diminution forte du nombre de patients qui présentent ces céphalées, mais aussi l'intensité des céphalées a été systématiquement diminuée. Donc, il y a un impact positif de la chirurgie, ce qui montre bien qu'il s'agit d'anomalies de Chiari. Et donc, les mesures qu'on va faire, c'est sur des patients, effectivement, avec des anomalies de Chiari symptomatiques. Donc, concernant l'hydrodynamique de ces patients, mesurée par IRM en contraste de phase tel qu'on l'a décrit juste avant, on observe que tous les paramètres vont être changés, sauf la mesure de la pulsatilité au niveau de l'aqueduc, mais également au niveau cervical. Ça ne va pas être changé. Par contre, on observe que le LCS au niveau du foramen magnum qui ne pulsait pas, eh ben, il pulse de nouveau et de manière plus importante et significative. Le névrax, quant à lui, qui lui avait une pulsatilité, va avoir une pulsatilité qui va être bien diminuée, ce qui montre qu'on a une diminution des contraintes sur ce dernier. Et ça, c'est important parce que c'est lui qu'on peut sauver. Mais aussi, de manière plus surprenante et assez contre-intuitive, on a des modifications au niveau vasculaire. Ça, on ne s'y attendait pas forcément, puisqu'on observe que l'amplitude veineuse, qui elle-même serait corrélée à un gradient de pression entre les espaces intracrâniens et périmédulaires, cette amplitude de débit veineux va être diminué, donc on a un impact positif, mais également ce facteur de correction qui va tendre vers un drainage veineux jugulaire unique, c'est-à-dire qu'on va moins utiliser les voies de drainage veineux accessoires et se rapprocher de ce qu'on s'attend à voir dans les populations témoins. Mais aussi, et ça c'est positif encore une fois, on voit une amélioration. Dans le sens où on voit une diminution de la pulsatilité du LCS ou du liquide, quel qu'il soit, au niveau des cavités syringomyéliques. Et donc une diminution des contraintes probables sur ces dernières. Donc finalement, on voit ici que ça n'a pas forcément de sens de suivre quelque chose qui n'évolue pas entre avant et après chirurgie, puisqu'il n'est pas pathologique. Donc ce n'est pas un outil de suivi. Par contre, ça a certainement du sens d'observer ce qui se passe au niveau du névralgie. Et au niveau vasculaire, parce que si au niveau vasculaire, il y a une amélioration, en tout cas une diminution de ce facteur de correction qui réaugmente, mais surtout si on observe une diminution de la pulsatilité du névralgie et que ça réaugmente secondairement, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas et peut-être qu'il faut parler d'une rechirurgie. De plus, ce facteur de correction veineux, on voit qu'il diminue, enfin qu'il diminue, que ce n'est pas le même entre les patients qui ont une syringomyélie et les patients qui n'ont pas de syringomyélie. Par conséquent, peut-être que ce facteur de correction veineux peut nous amener vers une pathologie qui serait plus lourde, puisqu'une anomalie de Chiari avec une cavité syringomyélique, ça a déjà été décrit comme étant une pathologie qui est pas d'une sévérité plus importante, mais en tout cas d'une autre pathologie, d'une pathologie évolutive. La syringomyélie est une évolution de l'anomalie de Chiari. Et par conséquent, quelqu'un qui n'a pas de syrinx, mais qui a un facteur de correction veineux élevé avec une anomalie Chiari, serait peut-être plus à risque de développer une syringomyélie. Mais là, c'est de la perspective, c'est un peu de l'avenir. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? On observe assez clairement que c'est un outil simple, l'IRM en contraste de phase, et qui nous aide grandement dans le diagnostic. Il nous aide grandement dans le diagnostic parce qu'il y a beaucoup de patients qui ont ce qu'on appelle une anomalie de Chiari radiologique. Et pourtant, il y en a beaucoup qui sont asymptomatiques. Si on traite, et ça a été le fruit de nombreuses publications, si on traite toutes les anomalies de Chiari indifféremment de la clinique, il y aura beaucoup de patients qui ne seront pas améliorés. Et pourtant, on leur aura infligé une chirurgie, on leur aura infligé un risque de complications et parfois même des complications. Donc, il y a beaucoup de patients qui ont une clinique qui est liée à des céphalées, par exemple, je pense, ou alors à une diplopie discrète, c'est-à-dire des troubles de l'oculomotricité. Comment savoir s'il faut les opérer, ça peut être un outil. Et d'ailleurs, c'est un outil qu'on utilise aujourd'hui au CHU d'Amiens, comme n'étant plus un outil de recherche, mais un outil de clinique. Et ces malformations de Chiari,
on voit qu'il y a une réduction de la pulsatilité du névraque, et donc on peut suivre par la suite l'évolution post-opératoire par rapport au préopératoire. C'est-à-dire que si on a une diminution de la pulsatilité du névraque, probablement que le patient est dans une bonne évolution clinique qui sera satisfaisante. Et d'ailleurs, c'est eux qui le disent. L'élément le plus important dans les anomalies de Chiari est le suivi post-opératoire, c'est la clinique. Et de manière assez intéressante, on voit aussi que l'anomalie de Chiari réduit le drainage veineux jugulaire. Là, j'étais très déterministe en disant ça, parce que qui est l'œuf, qui est la poule? Ça, on ne peut pas trop savoir. D'ailleurs, dans une pathologie proche, qui est l'hypertension intracrânienne dite idiopathique, on sait qu'il y a un lien avec le veineux. L'évolution en post-opératoire, donc on a vu qu'il y avait un effet positif sur la circulation du LCS qui retrouve une pulsatilité au niveau du foramen magnum, au dépend de la pulsatilité du névrax, et ça c'est une bonne chose puisqu'on va arrêter de stresser ce névrax, ce tronc cérébral, mais aussi on a vu qu'il y avait un effet positif sur la circulation du sang intracrânien. Finalement, l'IRM de flux, c'est un outil dans l'évaluation post-opératoire qui nous est assez précieux parce qu'on arrive à observer, en articulant l'ensemble de ces données, on arrive à observer si le patient qu'on a traité tend à retrouver des données qui sont proches de celles des témoins, c'est-à-dire des patients qui n'ont pas d'anomalie de Chiari. Et donc, c'est un outil qui est utile et complémentaire de l'analyse morphologique parce que pas de morphologie, pas d'anomalie de Chiari, puisque la définition est radiologique, et ça doit être pris en compte dans l'évaluation de la sévérité des anomalies de Chiari, et pourquoi pas, dans l'avenir, on va parler d'un grading hydrodynamique des anomalies de Chiari, et pourquoi pas aussi, ça sera, on tend vers un diagnostic, un usage diagnostique courant, comme on le fait ici. Et ça, j'y crois beaucoup. Enfin, avant de terminer, je voudrais remercier l'équipe du traitement d'image et du signal du docteur Balédan, parce que finalement, l'imagerie encéphalique crânio-spinale avec séquence de flux, bah c'est lui. Et l'équipe de neurochirurgie du professeur Pelletier qui m'a permis de m'intéresser grandement à ces pathologies hydrodynamiques. Et toute l'équipe d'imagerie, radiologue, manipulateur radio, qui nous aide au quotidien et qui font ça de manière extrêmement admirable. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Donc, si vous avez... Ah oui, il y avait des questions, exact. Alors, concernant les questions, donc la fondation Bobby Jones a demandé aussi à plusieurs d'entre vous, c'était de s'ils avaient des questions, etc. Certains qui ne sont pas là, pas connectés aujourd'hui d'ailleurs. Donc, il y a la question de la règle des 5 mm. La règle des 5 mm, alors c'est 3 ou 5 mm, on l'a vu dans la présentation, finalement c'est la définition radiologique des anomalies de Chiari. C'est la définition, donc il n'y a pas d'anomalie qui soit plus importante qu'une autre, c'est la barrière à partir de laquelle on peut parler d'anomalie ou de malformation de Chiari. Après chirurgie, combien de temps dure le rétablissement d'une intervention chirurgicale? Alors, ça c'est une bonne question, mais ça dépend d'un patient à l'autre. Les cervicalgies, c'est-à-dire les douleurs post-opératoires au niveau du cou, c'est systématique et ça peut être intense pendant 48 à 72 heures en post-opératoire. En règle générale, pour le reste, il faut à peu près 6 semaines pour que les effets de la chirurgie, les effets négatifs de la chirurgie qu'il peut y avoir, soient suffisamment à distance pour qu'on ne parle plus de complications derrière. Et le rétablissement complet, c'est-à-dire l'amélioration des symptômes qui existaient avant chirurgie, ça peut durer longtemps, plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça dépend un petit peu du symptôme et du patient. Alors, une troisième question. J'ai été opéré il y a 6 ans et l'opération a été un succès, mais j'ai encore beaucoup de douleurs et de déséquilibres. Oui. Parfois, il y a des séquelles qui peuvent rester avec une récupération incomplète. L'exemple typique, c'est celle des céphalées, qui est le symptôme qu'on a le plus de mal à guérir, et l'instabilité, un certain degré d'instabilité également. Et parfois, ça peut perdurer, même si c'est moins intense qu'avant chirurgie. Ma cousine a été opérée du Chiari 3 fois parce qu'elle perdait du liquide
quelle est l'opération correcte pour ce problème? Alors ça, c'est compliqué. C'est compliqué, ça dépend vraiment du dossier. C'est vraiment une question à laquelle on peut répondre après une analyse fine du dossier et en consultation, voire même parfois après avoir pris en charge le patient, l'hospitalisation, etc. Donc, je ne peux pas trop y répondre. C'est vraiment dépendant du dossier parce que la fuite de liquide, ça peut être cutané, ça peut être, pourquoi pas, on peut imaginer une rhinorrhée de LCR. Enfin, il faut vraiment qu'on analyse le dossier pour pouvoir répondre à celle-là. Le carie peut-elle causer des problèmes de vision? J'ai une descente de 4 mm de mon cervelet. Parfois, je perds la vue, puis je la récupère. Oui, il peut y avoir des troubles de la vision, même intermittents. C'est l'atteinte des nerfs oculomoteurs dans la très grande majorité des cas. Plus rarement, alors une descente de 4 mm avec une anomalie de carie, il peut y avoir aussi une baisse de vision qui soit liée à ce qu'on appelle un œdème papillaire, parce que le diagnostic différentiel, c'est-à-dire le cousin qui va mimer une anomalie de carie, parfois même radiologiquement, c'est l'hypertension intracrânienne qui peut altérer la vision par atteinte directe de l'œil. Quels sont les traitements qui existent sans avoir recours à la chirurgie? Alors là, je vais faire des déçus, mais il n'y a pas de traitement autre que la chirurgie, en tout cas décrit. Et s'il y en a qui, si je pêche là-dessus, je serais vraiment ravi de connaître ces alternatives. Ensuite, existe-t-il des recherches scientifiques, des preuves, des articles prouvant que les ajustements chiropractiques peuvent restaurer le flux normal de LCR chez les patients atteints de sirogomyélie ou même éliminer complètement le syrinx en améliorant la posture du patient grâce aux ajustements? Donc ça, c'est les manipulations, je pense, que font les chiropracteurs, ostéopathes, etc. Alors, je ne veux froisser personne, mais aujourd'hui, il n'y a pas de preuve. Zéro preuve de cela, même s'il y a eu quelques papiers qui ont été décrits, ce qu'on appelle des cas cliniques, c'est-à-dire on a un patient qu'on va manipuler et hop, il est guéri. Mais ça reste vraiment des cas cliniques et c'est absolument pas systématique. Il y a zéro série là-dessus, donc je vous amène à la plus grande prudence et ça d'autant plus qu'il y a d'autres cas cliniques qui, eux, montrent le côté néfaste, c'est-à-dire de patients qui sont dégradés après manipulation. Donc, sans preuve, vaut mieux peut-être s'abstenir. Sauf en dehors de protocoles de recherche bien cadrés. Combien de fois voyez-vous des cas de carie et de scoliose associées? Alors, on en voit, rarement, mais on en voit. D'ailleurs, on en voit dans toutes les malformations rachidiennes et crâniennes, telles que les craniosténoses, ce qu'on appelle les ailleurs dans l'os, les Klippel-Feil. C'est des malformations rachidiennes et on peut retrouver des caries. Donc là, ce que je dis depuis le début, que le carie n'est pas forcément malformatif, il n'est pas forcément, mais il peut l'être. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on a tendance à penser qu'il s'agit d'une malformation carie malformative. Et d'ailleurs, quand on fait des analyses, des mesures radiologiques de la boîte crânienne, on se rend compte qu'il y a effectivement des anomalies chez ces patients. Donc, je voulais savoir ce que vous penseriez de maux de crâne qui ont changé après la chirurgie. C'était un patient de 5 ans qui a été opéré et qui avait des maux de crâne plutôt postérieurs et qui aujourd'hui a des mal des céphalées plutôt frontales. Donc, oui, les céphalées peuvent persister. C'est un peu ce que j'avais expliqué, parfois même changer. Et ça nécessite une consultation neurologique ou neuropédiatrique s'il s'agit d'un enfant, parce qu'il peut s'agir, pourquoi pas, de céphalées par abus de médicaments, parce qu'il a eu mal au crâne, donc il y a eu des traitements qui ont été mis en place. Ça peut être plein de choses. Donc ça, c'est vraiment une affaire de neurologue ou de neuropédiatre là-dessus pour faire après le diagnostic de ces céphalées. Le chiari peut-il affecter uniquement le flux uniquement en position couchée? Et le flux affecté peut-il provoquer une démyélinisation de la colonne thoracique en T5? Ça, c'est une question pointue et compliquée. Donc le flux, on va dire, alors si je comprends bien, pour moi, c'est circulation du LCS, cette pulsatilité. Oui, ça change avec la position. Après, pour des raisons logiques, on connaît essentiellement ce flux en position couchée. Pourquoi? Parce que l'IRM, elle se fait en position couchée, même s'il existe des IRM où on peut faire varier la position, etc. Mais pour l'instant, on en est au début, on va parler essentiellement de la position couchée. Et donc, je me méfierais de mesures qui ont été faites en dehors de la position couchée, parce qu'on ne connaît déjà pas bien la physiologie en position debout ou assise. Donc, de là à connaître la pathologie, il faut faire attention.
Avec les restrictions Covid, acceptez-vous actuellement de nouveaux patients pour des consultations à distance pour télésanté s'ils envoient leur dossier et leurs images à l'avance? Oui, je le fais pour les patients qui habitent loin déjà, mais j'ai quand même une préférence pour le présentiel. Pourquoi? Parce que la clinique, il n'y a rien qui remplacera ça. Il faut examiner les gens pour pouvoir... se faire une idée de ce qu'ils ont et également pour mieux leur expliquer. C'est pour ça que je ne suis pas très à l'aise devant la caméra, parce que justement, souvent, il y a un dialogue qui s'instaure et j'en suis désolé. Existe-t-il des liens connus entre le débit du LCR, la pression intracrânienne et les changements hormonaux cycliques, en particulier chez les femmes? Si oui, quelles sont les options de traitement les plus efficaces? Alors, on ne connaît pas l'effet des hormones sexuelles sur le LCS et encore moins sur sa sécrétion résorption. Par contre, on sait qu'il y a des symptômes qui peuvent être beaucoup plus exacerbés à certains moments du cycle menstruel. Et ça, par exemple, on le voit très clairement dans les migraines, où on parle de migraines cataclémiales. Et pas forcément uniquement donc, dans le carie, on peut le voir dans d'autres pathologies. Donc, il peut y avoir un lien, mais pas direct, je pense, mais ça, c'est une piste que je n'ai pas trop étudiée. Alors, l'IRM en position verticale, on revient là-dessus, serait-elle meilleure ou plus précise pour tous les diagnostics? Que recommandez-vous? Alors, l'IRM en position verticale, c'est ce que je disais, il faut la prendre avec beaucoup de pincettes parce qu'aujourd'hui, on connaît bien mieux les choses en position allongée, même si je suis sûr que ça sera super quand on pourra faire du flux allongé, assis, la tête en bas, voilà. Ce sera fantastique pour bien comprendre la physiologie et pourquoi pas la physiopathologie de certaines pathologies, mais pour l'instant, on va en rester aux critères allongés. Là, ici, j'ai une autre question. Sur quels critères choisit-on le type de chirurgie? Alors ça, c'est une excellente question. C'est une très, très bonne question. Alors, c'est la meilleure des chirurgies, c'est celle qu'on maîtrise. Déjà, je pense qu'il faut avoir confiance en un chirurgien qui va vous dire ça parce que celui qui dit « je sais tout faire », c'est peut-être pas forcément vrai. Quoique, il y en a qui savent. Quoi qu'il en soit, le type de chirurgie, on va le choisir en fonction de multiples données et surtout ce qu'on va retrouver en péropératoire. Si on voit un chiari qui est dit malformatif, je pense qu'on va choisir une chirurgie de décompression osseuse seule parce qu'il n'y a pas de raison que la dure-mère soit pathologique. Maintenant, personnellement, comment je choisis déjà l'indication chirurgicale? C'est en fonction de la clinique d'abord, mais également de l'imagerie et de ce qu'on a constaté. C'est-à-dire qu'un patient qui va avoir une clinique qui est coussi-coussa, sans syringomyélie, c'est-à-dire une clinique à laquelle on peut penser à plein d'autres pathologies, sans syringomyélie, avec une IRM de flux normale, je ne l'opérerai pas, tout simplement. Un patient qui va avoir une clinique, exactement la même clinique, avec une IRM sans syringomyélie, mais des critères pathologiques, on peut discuter. Mais là, c'est une décision éclairée. Maintenant, le type de chirurgie. Personnellement, je commence toujours par une décompression osseuse seule parce que je pense qu'il y a moins de complications, même si ce n'est pas vérifié dans la littérature. Et même si certains disent qu'il y a plus de taux de reprise sur cette technique, je commence par ça. Et si en paire opératoire, je me rends compte que ce n'est pas suffisant, là, je fais une plastie d'élargissement de la dure-mère. Je ne me rappelle pas avoir eu à faire une résection des tonsilles cérébelleuses. Mais j'ai toujours cette démarche-là. Maintenant, pensez-vous qu'un monitoring de la pression serait utile? Alors, surtout pas si on monitore par la voie lombaire, parce qu'il ne faut pas faire de ponction lombaire à un patient qui a une anomalie de chiari. Mais par contre, on peut mesurer pourquoi pas la pression en intracrânien, même si on ne le fait pas, parce que on pourrait le faire au niveau intracrânien parce qu'il y a toujours ce doute diagnostique sur, dans certains cas, hein, pas tous, mais dans certains cas, le doute diagnostique avec l'hypertension intracrânienne qui mimerait radiologiquement
une anomalie de Chiari. Et donc, ça pourrait être intéressant dans ce cadre-là, mais uniquement là. Si le système veineux est mis en cause, existe-t-il une chirurgie du système veineux? Alors oui, on pourrait penser à ça, mais toujours dans les hypertensions intracrâniennes. Mais finalement, c'est très difficile de pouvoir pointer exactement où est le problème au niveau du veineux. Parce que le veineux, c'est assez vaste. Et il y a également les problèmes liés au système veineux, c'est-à-dire les veines ou les sinus. C'est les grosses veines qu'on appelle sinus au niveau intracrânien. Et parfois, il y a des cas évidents où c'est bouché. Et donc, on se dit il faut déboucher avec une sorte de ressort, ce qu'on appelle un stent. Ça, c'est plutôt les radiologues interventionnels qui font ça. Après, donc, il y a cette problématique-là, mais il y a aussi la problématique du retentissement, par exemple thoracique ou abdominal, des pressions qu'on a à ce niveau-là sur le veineux. Et donc, par conséquent, on peut entraîner une altération indirecte du système veineux sur par ce biais-là, et donc un biais indirect. Donc, une chirurgie du système veineux en soi, non, mais on sait qu'il y a un lien entre le veineux et l'anomalie de Chiari, oui. Maintenant, on ne peut que le décrire et on ne peut pas le traiter en soi. D'ailleurs, où est l'œuf, où est la poule? Si on traite le système veineux, est-ce qu'on va traiter l'anomalie de Chiari? Donc ça, c'est une autre question. Existe-t-il un lien entre hydrocéphalie et Chiari? Alors, entre l'hydrocéphalie et le Chiari, il y a un lien, c'est le LCS. Après, d'un point de vue de l'hydrodynamique, il n'y a pas forcément de lien bien particulier, bien prouvé, mais il y a un lien clinique entre Chiari et hydrocéphalie, puisqu'il y a des patients qui ont une hydrocéphalie et qui vont avoir un Chiari. Alors, encore une fois, l'œuf et la poule. Il n'y a pas très longtemps, j'ai opéré une patiente qui avait une hydrocéphalie et qui avait un Chiari extrêmement impressionnant à l'imagerie. Extrêmement impressionnant puisque les tonsilles descendaient jusqu'en C2. On a pris le parti, parce qu'elle n'allait vraiment pas bien, de traiter l'hydrocéphalie par une technique qu'on appelle ventriculocysternostomie. Bref, c'est une endoscopie. On a fait cette endoscopie, on a traité l'hydrocéphalie et sur l'imagerie post-opératoire, on a eu l'énorme surprise et agréable surprise de voir le Chiari disparaître alors qu'elle avait tous les symptômes d'une anomalie de Chiari. Et donc, il y a un lien de l'hydrocéphalie qui va engendrer le Chiari. Mais il peut y avoir aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'un Chiari important peut altérer les voies d'écoulement du système intraventriculaire à l'intérieur des poches d'eau qu'on a à l'intérieur de la tête. Et donc, par conséquent, on peut observer, pourquoi pas, une dilatation en compensation, une dilatation de ces ventricules, mais également, si on a une altération de la pulsatilité du LCS au niveau des espaces arachnoïdiens, peut-être que le système peut aller chercher également cette pulsatilité qui est nécessaire, parce qu'elle apporte une compliance, au niveau intraventriculaire. Donc, il y a beaucoup de mécanismes qui peuvent s'intriquer, mais oui, il y a un lien très clairement. Est-ce qu'un Chiari adulte était présent dans l'enfance? Alors ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Mais c'est une question très intrigante et ça, j'adorerais avoir la réponse. Pour ce faire, il faudrait qu'on fasse une IRM à un bébé et puis le suivre en IRM comme ça petit à petit. Alors, il y a des enfants qu'on suit comme ça pour des anomalies de Chiari asymptomatiques. En tout cas, moi, je les suis parce que certains ont une anomalie qui est assez importante et il convient quand même d'observer au fur et à mesure de son évolution s'il n'y a pas des signes qui apparaissent. Pour l'instant, il n'y en a aucun qui est devenu adulte. Je vais attendre encore un petit peu. Dans quelques années, je vous dirai. Voilà, donc si vous n'avez pas d'autres questions... En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à venir. Et puis, je crois que la présentation sera également sur un lien Internet. Voilà.
Bonne soirée à tous. Thank you. Better figure that out. Thank you so much, Dr. Kappa. And thank you everyone for joining. The video will be available in like weeks. So, but thank you so much. We will share it with you. We'll share it with everyone that signed up too. Thank you. Bye. Bye. Bye.